Bonjour à tous, ici c'est Marjan59. Aujourd'hui on se retrouve avec les Sims 2 et ça y est, on repart avec notre famille cobaye. Donc nos deux Sims qui sont en train de tester tous les thèmes. Donc la dernière fois on avait testé le thème d'Halloween, donc je vous avais fait une présentation sur la maison. Et aujourd'hui on est reparti cette fois-ci pour le thème de Noël. Donc aujourd'hui on est le 24 décembre au moment où je filme cette vidéo. J'ai vraiment voulu attendre avant de vous la mettre. Voilà, j'ai vraiment attendu le réveillon de Noël. Là je viens tout juste de terminer de décorer la maison parce que je voulais vraiment attendre à la dernière minute pour avoir des nouveaux objets. Donc comme avec Halloween, je vais vous présenter la maison avec des belles petites musiques de Noël pour que vous profitez bien de cet instant. Et si j'ai un petit peu de temps ou un autre moment, je ne sais pas, on verra si on jouera un petit peu avec la famille pendant le moment de Noël. Tout dépend à quel moment que je pourrais mettre la vidéo. Donc là, ce que je vais faire, comme d'habitude, je vous fais montrer un petit aperçu. Voilà, comme ça, de dehors, voilà. Avec les petits objets. Et ensuite, vous le verrez. Bien sûr, en musique, comme j'ai fait avec Halloween. Donc là, c'est juste un petit aperçu, voilà, pour que vous puissiez voir un petit peu ce que j'ai fait, voilà. Donc, moi, ce que je vais faire à partir du moment où je vous aurai fait visiter la maison, si vous voulez la maison, je vous la mettrai, bien sûr, en téléchargement pour que vous puissiez la récupérer. Parce que c'est vrai que j'ai oublié de le faire avec Halloween. Donc là, cette fois-ci, pour le thème de Noël, je vous la mettrai en téléchargement et vous pourrez la récupérer et en faire ce que vous voulez après. Donc voilà, donc là, on va commencer à faire tout doucement la présentation de la maison. Voilà, c'est parti!
Et voilà pour la petite visite guidée de la maison. Donc j'espère que cette petite visite en mode Noël, elle vous aura plu. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo-là, elle vous aura plu. Mais là, avant de vous quitter, on va quand même faire un petit truc, voilà, pour vraiment profiter du moment de Noël. Parce que après, c'est vrai qu'on ne pourra pas profiter et toute la déco, bah voilà, elle n'aura pas servi à grand-chose. Donc on va demander à nos Sims, on va jouer avec nos Sims, tout simplement, en mode Noël. Voilà, c'est ce qu'on va faire pour profiter vraiment du moment de Noël. Donc là, on va se remettre en mode normal et on va commencer à jouer avec nos deux Sims. Voilà. Alors, comme ça, eux, ils vont aussi. Bah voilà, découvrir la maison. Donc là, je vais vous la faire montrer comme ça. Donc voilà, le toit, je l'avais fait comme ça en vert. Et ici, j'avais rajouté plein de petites choses. Voilà. Donc la maison, bien sûr, je vous la mettrai voilà, en contenu téléchargeable. Vous pourrez la télécharger, la placer dans votre quartier que vous voulez. Voilà. Et voilà ce que ça donne en vue comme ça. Alors, comme vous avez pu le voir, la maison, il n'y a que un étage. J'ai pas voulu faire bah le deuxième étage, non. Au final, je l'ai enlevé. J'ai voulu faire que un étage. Je pense que ça suffit vraiment largement. Donc là, on va demander à essayer de faire un petit repas bien sympathique. Donc là, bon, c'est vrai qu'il est 9h44. Donc on va essayer de voir si on ne peut pas préparer quand même quelque chose. Un repas de groupe. Voilà. Et on va essayer. Alors bien sûr, mes Sims, c'est-à-dire mes cobayes que vous voyez là, ils n'ont pas encore acquis de compétences. Parce que jusqu'à maintenant, je n'ai pas encore joué avec eux. Voilà, tout simplement. Donc c'est normal que, voilà, au niveau cuisine, ils ne peuvent pas cuisiner ce qu'ils veulent. Voilà. Donc là, on va jouer avec eux pour vraiment profiter de la déco de la maison. Voilà. Et voir comment, bah voilà, ils se débrouillent dans la maison et comment ils découvrent la déco. Alors, pour la tenue de Noël, j'ai voulu changer. Donc c'est pareil, hein, si je retrouve les tenues, je vous les donnerai. Mais pour ça, il faut que je les retrouve. Mais là, pour l'instant, en priorité, ça serait plutôt la maison. Voilà. Non, 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 non. Voilà. Donc, hop, on a déjà de la visite. Alors, je pense que normalement, on devrait le poser ici, hein. Voilà, se servir. Et lui, c'est pareil, on va lui demander de se servir. Voilà, comme ça, ils vont passer leur premier repas ensemble. Alors, bien sûr, il y a beaucoup, beaucoup d'objets dans la maison. Donc, c'est normal un petit peu que le terrain, voilà, il lague un peu, c'est un peu normal. Il y a beaucoup de nouveautés que moi j'ai pris. Voilà, comme une petite boule ici. Voilà, donc on peut les admirer. Donc ça, après, bah lui, bah, il va le mettre de côté, tout simplement. Ah ouais, c'est vrai, je pense que j'ai pas mis de... D'accord, il va le mettre ici. Bon, c'est rien, il va le finir. Ah, plutôt nettoyer, non, ça serait mieux. Alors, au niveau de leur petite chambre, j'ai réussi à avoir des nouveaux literies. Donc, c'est pour ça que j'ai tenu à le mettre. Donc, avec bien le thème de Noël. Au niveau de la salle de bain, ce que j'ai trouvé en thème de Noël, c'est le carrelage au niveau du mur et le sol. Et vous pourrez remarquer qu'au niveau des douches, j'ai voulu faire à peu près des petites coloris. Donc, une douche rouge pour représenter le thème de Noël. Là, je voulais mettre du vert, mais malheureusement, j'en avais pas. Donc, j'ai mis du bleu. Voilà, pour rester vraiment dans le thème de Noël. Ensuite, le sapin ici, on peut pas s'en servir. Voilà. Donc, les cookies, vous inquiétez pas. À un moment donné, je vais les enlever parce que c'est pas des cookies qui peuvent rester longtemps. Mais au moins, voilà, ils profitent un petit peu de la déco. Alors, ils ont quoi en relation, eux? Oh, mais ils sont bons là. On peut leur demander quelque chose. Allez, tous les deux, ils vont se détendre. Pour profiter, c'est Noël. Alors, j'aurais tenu à mettre des bonnets de Noël, mais j'ai trouvé que laisser leur tête comme ça sans les bonnets de Noël, c'était bien aussi. Voilà, je change un petit peu. Voilà, donc on va essayer de voir si on peut pas. Alors, pour Noël, on va essayer de tenter de faire un petit bébé pour Noël. Voilà, pourquoi pas. Pour vraiment profiter. Si bien sûr elle veut. Si bien sûr ça marche.
Ah, super, ça a fonctionné. Et en plus, on a des visiteurs. Regardez qui on a. Alors, on a Kistis. Donc là, je l'ai changé de vêtements. Hein. Vous le verrez très prochainement quand je repartirai sur la famille. Et on a Tan, justement, qui est venu aussi rendre visite à nos amis. Donc ça tombe bien, on va leur dire, on va les saluer. Voilà, comme ça, ça sera fait aussi. Voilà. On profite un petit peu. Donc aujourd'hui, c'est en mode déco et en mode aussi profiter avec nos Sims. Eh, je le connais, lui. Hop, on va le saluer aussi. Allez. Comme ça, on va se faire des amis. Donc comme ça, j'aurais fait le thème d'Halloween avec vous, avec nos cobayes. J'aurais fait le thème de Noël. Il y aura aussi, bientôt, mais là, il n'y aura pas de changement de décor. Bientôt, il y aura aussi sur le thème aussi de la nouvelle année. Donc là, il n'y aura aucun changement de décor. La seule chose qui va changer, c'est la tenue de nos Sims. Voilà. C'est eux qui vont changer. Je vais leur demander de mettre leur plus belle tenue, tout simplement. Lui, après, bah, il va se changer et se remettre en tenue décontractée. Voilà. Et qu'est-ce qu'il fait? Il n'a pas été... Ah oui, d'accord. Je lui avais demandé de saluer les invités, mais il ne l'a pas fait. Ben voilà. Et alors, est-ce qu'ils sont encore là, au fait? Non, mais qu'ils se dépêchent, ils vont partir. Hein. Allez, va saluer. Donc, elle, c'est pareil. Elle va saluer Tan. Voilà. Tout simplement. Donc, si elle veut bien... Non, mais pas en sous-vêtements. Ah ben, elle est bien, elle. Non, 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 ma coco, tu vas pas les saluer en sous-vêtements, ça va pas, non. Tu vas te changer en tenue décontractée et seulement après tu iras le saluer. Non, pas en sous-vêtements quand même. Tu peux de tenue, hein. Voilà. Saluer. Donc là, on va saluer. Bah ben voilà. C'est bon, elle s'est remise en Mère Noël. Voilà, donc elle, on la considère en Mère Noël. Et Julien, lui, on le considère en Père Noël. Sauf qu'il n'y a pas le bonnet, mais bon. Bah, je pourrais mettre des bonnets, mais bon, j'aime bien voir leur tête comme ça, puis elle a des beaux cheveux, donc c'est pour ça que j'ai tenu à faire ça. Voilà. Très bien. Alors, est-ce qu'ils vont profiter de manger? Ah, super, ils mangent ici. Est-ce qu'il va manger le cookie? Par contre, je pense qu'on peut crier à table. On va essayer de voir si on peut les inviter. Ah non. Non, même pas. Ah, c'est dommage. Il est où, lui? Donc, lui, on va l'appeler. Si on peut. Donc, plus. Rejoindre Tan. Ah non, c'est nous qu'on va le rejoindre. Ok. Alors, vous me direz ce que vous pensez de la déco de Noël pour ce thème-là. Voilà. Donc là, j'ai voulu changer. J'ai pas voulu faire comme le thème d'Halloween. J'ai voulu non seulement vous présenter la maison et en même temps jouer un petit peu avec les Sims pour profiter des objets. Voilà, tout simplement. Oula. Elle est carrément assise dessus, là. Tiens, va t'asseoir ici. Ouais, c'est normal, il faut que je place les fauteuils d'une autre manière. Ah bah voilà, c'est mieux quand même. Apprécier. Allez, dis au revoir à tout le monde. Voilà. Ah bah lui, il est en train de parler avec elle. Allez, on dit au revoir à tout le monde. Voilà. Et il y aura du petit nettoyage à faire. Elle va partir? Voilà. Très bien. Oh bah elle fait du piano. C'est très bien. Par contre, il n'y avait pas quelque chose ici que j'avais vu. Alors, il me semble que j'avais placé un objet, mais je ne sais plus où je l'ai mis. Admirer. Je pensais qu'il faisait de la musique, lui. Je pensais que j'avais un objet qui ferait de la musique, mais non. Il faudra que je le retrouve. À moins que c'est ici. Admirer aussi.
La petite crèche, tu peux l'admirer, hein, voilà. Voilà. Tiens, tu vas danser en solo. Voilà. Tu vas profiter. Et lui, c'est pareil. Il va danser. Danser en solo aussi. Voilà. Voilà. Voilà, on a de l'orage pour un moment de Noël. Non, j'ai dit danser. Voilà. Bon. Allez. Voilà. Comme ça, ils vont bien profiter ensemble. Donc, c'est bien décoré. Il y a beaucoup de lumière. C'est sympa. Voilà. Et comme ça, ils sont en train de danser à deux. Voilà. Bon, bah écoutez, moi, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. C'était juste la petite vidéo de Noël que je vous avais promis. Donc cette fois-ci là, j'ai voulu changer, j'ai voulu la faire montrer en musique et en même temps j'ai voulu jouer un petit peu avec les Sims. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo là, elle vous aura plu. J'espère en tout cas que ce petit moment bah, vous fera passer un bon petit moment en la regardant. Et moi sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur les Sims 2. Bye bye.